Hey YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeunes gens, pour une toute nouvelle aventure, pour un tout nouveau LP sur un jeu de type qualité. On est sur Paper Mario. Et à partir de là, jeunes gens, je suis totalement perdu puisque j'ai des écrans de partout. J'en ai un là. Et surtout, premier LP en solo où je vous propose la caméra. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, on en fera plus des jeux de ce genre là. Enfin, avec la caméra, je veux dire. On est parti pour un jeu donc de type qualité. On est sur Paper Mario, un RPG qui a quand même 15 ans cette année, qui va d'ailleurs bientôt fêter ses 16 ans puisqu'on arrive début 2017. C'est un jeu qui est développé par Intelligent System, édité par Nintendo, c'est sorti sur N64, c'est ressorti sur les marchés de Wii et de Wii U. Et c'est un jeu que je mettais de côté parmi tellement d'autres. En fait, j'ai une liste énorme de jeux, côté rétro gaming, côté indépendant, côté grosse licence à gros budget. Et soit je vous fais en fait un jeu par envie ou par événement. Et en l'occurrence, là je dirais que c'est un mélange des deux. C'est par envie parce que en ce moment je suis dans ma phase rétro gaming où j'ai envie de vous proposer plus de jeux qui ont marché à l'époque et que très peu de gens connaissent, et surtout que j'en ai pas beaucoup sur ma chaîne, donc c'est aussi un moyen de vous en faire découvrir. C'est aussi une envie parce que j'ai envie de faire un RPG, et c'est par événement puisque pour les personnes qui suivent encore l'actualité Nintendo ou qui jouent sur Wii U, vous le savez sûrement, mais le mois prochain sort le jeu Color Splash de la collection Paper Mario. Le Kazma étant trop pauvre ou trop radin à vous de voir, je ne peux malheureusement pas acheter ce jeu, donc je préfère me rabattre sur un jeu qui a très bien marché à l'époque, qui n'a pas fait beaucoup de ventes, qui s'est pas fait spécialement connaître, et un jeu que j'aimerais découvrir. Alors, pour la petite histoire, ce jeu, je n'y ai pas joué, mais j'avais un ami à l'époque qui l'avait. Donc je le regardais jouer de temps en temps, ça n'a pas duré très longtemps. Je ne sais pas comment ça commence, je ne sais pas comment ça finit. Par contre, je sais que c'est un jeu qui me donnait vraiment envie. La licence Paper Mario, c'est un truc que j'adore et que j'espérais vous faire un jour sur la chaîne. C'est juste que, eh bien, en fait, je switch tout le temps. Je suis quelqu'un qui n'aime pas proposer un contenu... je vais pas dire monotone, un contenu uni en fait. J'aime pas proposer par exemple que des FPS, que des jeux d'horreur, que des jeux Nintendo. Tu vois, j'aime bien partir un petit peu de tous les côtés et vous proposer un maximum de diversité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et aujourd'hui, eh bien, on est chez Nintendo, on est sur un RPG et on est là tous ensemble pour passer un bon moment. Vous avez préparé à manger, vous avez préparé à boire, vous avez éteint la lumière. J'espère que vous êtes installés confortablement. On se lance tout ça tous ensemble. Alors, j'ai de la chance parce que là on est sur émulateur. Depuis tout à l'heure, je crois que ça fait plus de 10 fois que je redémarre cette ROM et à chaque fois, le jeu se lance en anglais. Donc je sais pas pourquoi, je suis parti 5 minutes chercher à manger, je suis revenu et la ROM s'est mise en français. Donc ça m'arrange, comme ça je pourrais vous foutre l'intro en plein écran et en français. Je pensais vous faire un délire de correction en fait, vu que le jeu était en anglais, je comptais tout supprimer les sous-titres et tout vous foutre en français, ça aurait été un bordel sans nom, ça m'aurait pris des heures. Mais c'est un travail en moins, ça me fait plaisir. Et on perd moins de temps. Alors, j'ai déjà lancé le jeu une première fois pour voir si tout marchait bien, tout est ok. Donc il y aura le background, il y aura ma caméra, le jeu est en 4 tiers malheureusement. Pour les personnes qui auraient voulu un 16/9, c'est pas possible. Je sais que pour beaucoup de personnes, vous n'êtes pas habitués. Mais pour les autres, j'espère au moins que ça vous fait plaisir qu'on fasse des jeux un petit peu plus variés sur la chaîne. Et surtout des jeux plus grand public. Parce que c'est vrai que je fais beaucoup de jeux assez sombre. Alors attends, parce que je suis perdu. Comment je vais nommer ma partie? Est-ce que je la nommerai pas? Si, je vais la nommer comme mes sessions de Pokémon en fait. Quand j'étais petit et que je jouais à Pokémon sur GBA, mon nom c'était... On va mettre des majuscules, ça va faire plus swag. On va mettre des majuscules, ça va faire plus swag. Quand j'étais petit, je me nommais Ti. Attention, Ti, Ti, Ti. Ti, où est le Z? Quand j'étais petit, je me nommais Ti Kazma. Voilà, c'est tout bête, ça change pas grand chose, il y a toujours le mot Kazma dedans. On respecte les bails, mais voilà, ça me plaît, c'est drôle et c'est à peu près tout. On se lance, j'espère que vous allez apprécier cette aventure. Je sais pas si ça sera long, les épisodes dureront entre 20 et 25 minutes. Pour les personnes qui se demandent, il y aura des épisodes qui seront en live, donc j'ai pas encore décidé si ce seront des épisodes qui seront tous les 5 épisodes ou 10 épisodes, ou peut-être que je les ferai en mode bordel et que quand j'aurai envie de faire un live, on fera un live. Mais on va faire un maximum de choses, on va profiter du jeu et on va faire ça comme il faut. C'est parti, on se lance, on commence une partie tranquillement et on voit ce que ça donne. Waouh, on est chez Mario! Et je crois qu'il y a aussi Luigi. On a un Koopa aviateur, visiblement. Voilà le courrier!
Très bien. Ah ah! Et on a un Luigi, qui habite en coloc avec Mario. Je trouve ça ignoble quand même, parce que pour des mecs qui sauvent le royaume tous les deux jours, moi je serais eux, je leur filerais une maison, quoi, à chacun. Ou alors, j'irais me plaindre auprès de l'administration parce que ça va pas. Hé, Mario, on a reçu une lettre de la princesse Peach! Trop bien! Vas-y, dis-nous. Ah oui, pour le speech de base, parce que j'ai oublié d'en parler, Bowser a récupéré une baguette magique censée mettre la paix sur le royaume. Il n'a pas encore kidnappé Peach, mais étant donné que ça fait partie du speech principal et général, je pense que ça ne saurait tarder et bientôt, je pense qu'elle va être kidnappée. Et sûrement, durant cette fameuse fête que Peach nous annonce. C'est parti. Alors, et bien sûr, c'est du son 7.1. J'organise une fête au château cet après-midi. C'était du LOL, hein, c'est du 5.1. Je serais heureux si Luigi et toi pouviez venir. De nombreux invités souhaitent vous rencontrer. Il y aura tout plein de bonnes choses et toutes sortes de divertissements. Amitié, Peach. Oh, c'est mignon, je veux y aller. On y va. Alors par contre, je sais pas du tout comment ça se joue, hein. Je sais que ça a un côté RPG, que ça ressemble à du Final Fantasy, mais à part ça, je ne vois pas à quoi ça ressemble. J'ai même pas essayé de jouer de mon côté en fait. J'ai vraiment lancé le jeu 5 minutes pour voir si le son, l'image étaient bien, s'il y avait pas trop de lag. Et ça a l'air d'aller. Le monde est rempli de Toad. Nous sommes au royaume champignon. Il y a des attractions, on dirait, par contre, sur le côté. Et on arrive tranquillement au château. Alors pour les personnes qui se posent la question à propos de Mario et des personnages, le jeu s'appelle Paper Mario. Paper, c'est de l'anglais, c'est papier. En gros, tous les personnages sont plats, comme du papier, tout simplement. Quel magnifique château, il m'impressionnera toujours. On dirait que presque tous les invités sont déjà arrivés. Ok. Ah d'accord, je peux bouger. D'accord. Donc on est libre dans le château de Peach. Et visiblement, tous ces visiteurs sont aussi des Toads. Alors je sais pas s'il y a que des Toads dans le monde. Il y a des Toadettes, les sœurs Toadettes. Alors tu seras Katy Perry, tu seras Nicki Minaj. Par contre, j'avais vu sur des screenshots qu'apparemment il y avait énormément de Toads différents. Alors ça, c'est un Toad d'igloo, ça c'est une Toadette, je crois, d'une bibliothèque. Ah, salutations Mario, connais-tu Aliti? Ah non du tout. Il vient de la vallée étoilée qui se retrouve non loin d'ici dans le Grand Nord. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu me dis? La princesse Peach est aussi gentille et merveilleuse qu'on me l'avait dit. Je suis content d'être venu. Waouh, Mario, rends-nous visite un de ces quatre. Mais il n'y a pas de problème, mon gars. Ah, par contre, je sais pas si on peut aller se promener. Non, est-ce qu'on a accès aux autres salles? Ah, on a accès aux autres salles, c'est bon ça. On est dans les cuisines. Bah, t'en fais une drôle de tête, qu'est-ce qu'il y a? Oh, salut Mario, je suis Goutti. J'adore cuisiner, on dirait qu'il fait la tronche. Tu ne sais peut-être pas, mais c'est moi qui ai préparé tout le buffet. C'est génial, non? Malheureusement, j'ai utilisé tous mes ingrédients pour faire ces plats. Je vais devoir aller au marché. D'accord, je pensais qu'il allait me demander de faire quelque chose. Alors je sais pas si dans le jeu, il y a des missions annexes ou si c'est que d'histoire principale. Je ne sais pas non plus s'il y a des niveaux à prendre. Je ne sais pas si Mario est le seul à pouvoir combattre, il me semble qu'il y a d'autres personnages. Tout ça, on va le découvrir ensemble. C'est de la totale découverte, jeunes gens. Mais s'il y a des personnes qui connaissent le jeu et qui veulent apporter leur aide, eh ben vous êtes les bienvenus. Comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça, et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Normalement, je vais prendre de l'avance, je pense que je tournerai 2 ou 3 épisodes, histoire de se mettre bien pour la suite. Mais si vous avez des choses à dire, les commentaires sont là pour ça. Ah, ça c'est pas mal. Quand on s'arrête, on a nos points de vie, alors nos PF, je dirais que c'est la mana, on a les étoiles collectées, et on a les pièces. D'accord, donc jusque-là je suis un peu prêt, par contre... C'est quoi la différence en fait entre les étoiles et les pièces? Alors je suppose que les pièces c'est la monnaie, mais du coup est-ce que les étoiles ça agit comme des collectables importants ou est-ce que c'est complètement autre? Je sais pas. J'aime cuisiner. J'espère qu'un jour je serai aussi bien cuisiné que Gucci. D'accord, mais en fait tous leurs noms à eux finissent par T. Et en fait c'est marrant parce que moi à côté je m'appelle Tikazma, alors du coup c'est... On dirait que je l'ai presque voulu. Tu ne sais pas cuisiner Mario? Eh bien tu devrais t'y mettre, moi ça m'éclate trop. En plus je mange très bien maintenant. Eh bah écoute, bon cache-croûte, est-ce que je peux cuisiner? Non, non, je peux pas toucher au manger. Oh, c'est la tristesse, je peux pas toucher au manger. Bon, eh bah écoute, tant pis. Je pense pas que ça serve à grand-chose pour le moment de s'éparpiller, d'aller un petit peu n'importe où. Du coup, on va suivre le speech principal, voilà. On va aller rendre visite à Peach et voir comment se déroule la fête. Tiens, pingouin! Bonjour, pingouin. Bah alors? Waouh, ce château est incroyable et en plus, il y a du pâté!
Du pâté? Mais où ça qu'il y a du pâté? Si seulement je pouvais habiter ici pour toujours! Ah oui, qu'on aimerait tous habiter ici pour toujours. Mario, tu sors avec Peach. Les princesses... Non, la princesse vient de se retirer dans ses quartiers. Elle doit être exténuée. Ben, la fête vient de commencer. Attends. Peach. Peachy, peachy, peach. Peachy, peach. Ah, d'accord. Le buffet est là. Oh là, mais il y a du monde. Alors, attends. Il y a des pingouins. Il y a des toadettes. Il y a des toads classiques. Il y a un toad parisien. Il y a des toads marseillais. Il y a... Je ne ferai pas cette blague. Il y a un toad avec des rubans. Je viens d'un campement dans le désert sec sec. Pas mal. Ce château est vraiment superbe et toutes ces textures sont si belles. J'ai même pu parler à Princesse Peach. Elle est tellement belle. Je crois que je suis amoureux d'elle. Hep, 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 hep. Tu piques pas ma copine, hein. Non mais... Alors par contre, ça, je connais pas. Je connais les créatures de base de Mario, hein. Malheureusement, pour moi, quand j'étais petit, Nintendo était pas ma console de référence. Moi, j'ai commencé les jeux avec la PS2, puis je suis redescendu sur la PS1. En fait, j'ai tout fait à l'envers. J'ai commencé à jouer fin de la PS2, donc début de la Xbox 360 et début de la PS3. Je suis redescendu sur la PS2, et je suis redescendu sur quelques vieux jeux au travers de mes copains qu'ils avaient chez eux. Et j'ai joué à ce que j'ai pu à l'époque, et aujourd'hui en fait je le regrette, et il y a énormément de jeux côté rétro gaming que j'ai envie de me faire, et si ça vous branche, et ben dites-le moi et on fera ça ensemble. Je suis une nomadie souris du désert sec sec. Ah d'accord, tu es une nomade, les gens sont vraiment sympathiques par ici, et en plus la nourriture est gratuite, incroyable, trop bien. Et ça met nous, elle ne semble pas s'ouvrir, très bien, c'est très le regret. Alors je suppose que les appartements de Peach c'est tout là-haut. On va pas discuter avec tout le monde pour le moment, on est d'accord que ça doit pas servir à grand chose. Par contre, je veux voir ma damoiselle. Je veux voir ma bien-aimée. Je veux voir Peach. Ma femme. Peach. Peachy Peachy. Peach, est-ce que je peux m'asseoir sur le canapé? Non? Oh dommage. Par contre je remarque aussi que Mario est tout petit. Je sais pas s'il y a des champignons bonus. Genre, est-ce que, tu sais, tu peux trouver un champignon pour grandir? Est-ce que tu peux avoir des champignons pour être géant? Est-ce que tu peux être... Non, je pense pas que tu peux pas être minuscule, parce que, à mon avis, à l'époque, les champignons comme ça n'existaient pas, mais... La princesse vient de se retirer. Très bien. Bah, je veux aller la voir. Princesse! Princesse, où êtes-vous? Je suis venu exprès pour vous. Et d'ailleurs, Luigi attend dans l'entrée au cas où. Ah, princesse! Oh, Mario! Tu es venu me voir, tu es si mignon, avec ta belle moustache frissonnante au vent. Merci mille fois. Maquée, princesse. Je me reposerai juste un petit peu. C'est fatigant de s'occuper de tous ces invités. Personne ne nous dérangera ici. En fait, c'est vachement bien parce que, comme dans les épisodes originaux, en fait, Mario parle pas. Et c'est très bien comme ça. C'est comme Link, c'est des personnages qui sont pas faits pour parler. Bon, Link qui fait des bruitages, mais Mario aussi, en fait. Mais c'est pas des personnages qui sont faits pour avoir des voix. Et si on bavardait un petit peu tous les deux? Très bien. Il a fait très beau aujourd'hui. Et si nous allions passer un moment sur le balcon? Qu'en penses-tu, Mario? What? What, 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 what? Serait-ce un speech attendu? Serait-ce quelque chose qu'on s'y attend tellement qu'on l'a pas vu venir? Tu vas bien, Mario? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. Enfin, j'ai ma petite idée, mais... Oh mon Dieu! Oh non! Regarde, Mario! On est en plein jour! Et... Mais je peux voir les étoiles! Qu'est-ce qui se passe? C'est Bowser! Oh, il est plus stylé comme ça. Ça fait un bail qu'on ne s'était pas vu, princesse Biatch! Princesse Peach! Je suis désolé, je n'aurais plus cette blague. Bowser! C'est impossible! C'est toi qui as fait trembler le sol, n'est-ce pas? Oh mon Dieu! Qu'as-tu donc fait? Par contre, je me rappelle pas du tout du nom de la princesse. J'ai fait décoller ton château qui se trouve maintenant sur le mien. Tu ne t'y attendais pas, hein? Alors, on s'y attendait de... Enfin, comment dire, on s'y attendait que Bowser fasse quelque chose. Par contre, le coup de faire voler le château, ça, j'avoue, je m'y attendais pas. Ah ah! Je prends le contrôle de ce château, ma jolie. Et tu vas m'obéir. Oh my god. Tu ne feras rien. Hein? Quoi? Mario? Mais quelle surprise! Qu'est-ce que tu fous là? Ah, pas tant que ça en fait, je m'y attendais. Toujours aussi collant, je vois. Mais cette fois, tu ne pourras rien contre ma puissance.
n'as toujours pas compris, Bowser. Jamais tu ne vaincras Mario. Pourquoi n'abandonnes-tu pas? Mais j'admets que j'ai eu quelques problèmes dans le passé, mais cette fois c'est différent. Je vais gagner. Allez, mon grand, je t'attends. Ok. Oulala, ça fait des bugs chelous. Alors ça, je pense que ça va faire office de tuto. Alors, il y a quelques bugs de texture par ici par là, et je l'ai déjà remarqué durant la cinématique d'intro, je pense vous aussi, au moment où Bowser crash par exemple avant de récupérer sa baguette magique. Mais c'est pas spécialement gênant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous gêne réellement et j'essaierai de faire quelque chose. Mais si jamais, moi ça me gêne pas, le jeu reste fluide, il y a pas de bug, pas de latence. Donc ça passe. Mario, j'ai foi en toi, je sais que tu peux le faire. Maha! Alors, bien sûr, l'épisode 1 sera un petit peu plus long, le temps de lancer les bases. Ensuite, on se calera sur un certain temps, parce que je vois qu'on atteint les 25 minutes, et à mon avis, on va facilement monter jusqu'aux 35 minutes. Alors, on a 3 capacités, la stratégie qu'on ne peut pas aborder, on a les objets, et on n'en a pas, et on a le saut. D'accord. Donc je vise Bowser, et... Maha ! Je lui saute dessus, et je lui fais un moins 1. Très bien. Et je me prends un moins 1. Alors, moi j'ai 10 points de vie, par contre lui on sait pas du tout il a combien de points. Donc ce serait bien de savoir ça. Maha ! Ok, encore un. J'espère que tu as 3 points de vie, Bowser. Sinon ça va pas le faire. Ok, on m'en dit pas plus, donc je suppose que pour le moment il n'y a pas moyen de savoir il a combien de points. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Ce bon vieux Mario, tu es une vraie plaie. Mais aujourd'hui, tes attaques pitoyables ne serviront à rien. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, la baguette magique! Regarde un peu ça! Je l'ai prise au Havre Étoile, c'est la baguette étoile. Elle a le pouvoir d'exaucer n'importe quel vœu dans le monde entier. Oh mon dieu. Et lorsque je m'en sers pour augmenter ma force, même toi, Mario, tu ne peux plus me vaincre. Oh, damn! Oh, ça c'est pas bon! Oh, ça c'est pas bon! Par contre, les effets sont super stylés. Ça rend bien, hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais du coup, en fait, c'est un Bowser étoilé, mais on a perdu, on peut plus rien faire, là. Mouahahaha, ça te plaît, Mario? Oh mon dieu, oh mon dieu. Il va me battre, il va me battre. Oui. Ah, je m'attendais bien. Je m'attendais vraiment à un one-shot. Allez, un petit effort. Ah, et du coup, ça lui fait aussi un bouclier. Mouahahaha, c'est tout ce que tu as dans le ventre? Tu me fais pitié, je n'ai rien senti du tout. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, oh mon dieu, mon dieu! Non! Wouah, 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 wouah! On va pas s'en remettre. Oh mon dieu, oh mon dieu! On a plus que 2 points de vie! Non! Non! Mon dieu, je ne m'amuse même plus avec toi, Mario! Finissons-en! Allons-y! Adieu, Mario! Non! Cette fin était pourtant inévitable! Oh là! Oh là là, c'est le critique! C'est le critique! Et on a été vaincu! Oh mon dieu! Oh non, Mario! Moi, ouais, j'y suis arrivé! Fin du LP. Voilà, ça s'arrête comme ça. Je l'ai enfin battu! Mon dieu. Félicitations! Quelle belle victoire, votre grandeur! Vous êtes vraiment le meilleur! Tant que j'aurai la baguette étoile, tous mes souhaits se réaliseront. Je suis invincible, immortel, beau! Je suis parfait! Bien, bien, bien! Débarrassons-nous de Mario, il ne sert plus à rien de toute façon! Oh mon dieu, mais non! Non! Blablabla. Et je suis propulsé, je ne sais où, en dehors du château. Comment je vais m'en remettre? Je ne sais même pas si on va s'en remettre, ou je ne sais pas encore comment on va s'en remettre. Oh non, Mario! Mais ça, on va le découvrir tous ensemble. Oh là là!